Ce travail-là sur l'adoption et le questionnement sur la pluriparenté, l'adoption sans rupture, je tiens à dire qu'il a été fait en lien avec quand même un réseau de collègues qui ont été vraiment très stimulantes. Je dis ça au féminin parce que en majorité, c'est des femmes. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler plus sur l'adoption, en 1994-95, et sur la comparaison France-Québec, j'avais une subvention pour faire ça, puis j'étais allée en France. Et là, j'avais été recommandée par Chantal Collard pour rencontrer Anne Cadoret, qui est une chercheure CNRS qui avait travaillé sur les enfants placés dans le Morvan, et qui travaillait sur les questions de parenté, mais sous un autre angle, et après qui s'est mis à travailler beaucoup sur l'homoparenté. Avec elle, j'ai eu des échanges vraiment importants et qui se sont poursuivis à travers le temps. J'avais été aussi assister à un séminaire de Françoise Zonabend, puis Françoise Zonabend m'avait mis en lien avec Agnès Finn, qui est à Toulouse, elle, et qui travaillait sur la parenté spirituelle. Donc, des formes de parenté, parenté adoptive, parenté spirituelle ont des liens. Et avec Agnès Finn, ça avait cliqué très, très, très rapidement. Elle et moi, on s'était rencontrés une fois à une séance du séminaire de Françoise Zonabend. On avait été prendre un café ensemble. Et à partir de là, on avait convenu de continuer à collaborer. Et je suis allée plusieurs fois à Toulouse. Elle est venue ici au Québec, notamment au moment où j'avais organisé un colloque sur les enjeux éthiques des changements familiaux. C'est Renée Dandurand, dans la dernière phase de partenariat famille qu'elle avait dirigé, qui avait inscrit ce thème-là de l'éthique dans nos travaux. Puis moi, j'avais pris la charge de l'organisation du colloque. Puis c'était un colloque où on avait rassemblé des chercheurs français et québécois qui avaient porté en grande partie sur des enjeux de filiation, parce que là, les débats sur les nouvelles formes de parenté commençaient à s'enfler et il y avait plusieurs philosophes, sociologues, juristes qui sont venus et ça a permis de faire connaître à la fois les travaux des collègues québécois, mais aussi de faire se rencontrer des collègues français avec lesquels on était tous en contact un peu individuellement, mais là, de tous se réunir ensemble. Des sociologues français, mais aussi des anthropologues, des ethnologues. Avec Agnès Finn, j'ai travaillé à réfléchir beaucoup sur les questions d'adoption, d'histoire de l'adoption, de parenté, avec ses étudiants aussi, parce qu'elle avait plusieurs étudiants qui développaient toutes sortes d'axes différents sur les questions de parenté. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont été vraiment importantes dans les discussions. C'est quand je suis revenue au Québec, il y avait une étudiante de Claudia Fonseca, qui est une Brésilienne qui travaille sur les questions de filiation et d'adoption aussi, qui était à l'Université de Montréal, que Chantal Collard co-dirigeait. Et Claudia est venue passer une année sabbatique ici à Montréal. Et toutes les quatre, on a développé un programme de travail qu'on a poursuivi pendant un an. On se voyait régulièrement, on lisait des choses ensemble. Et on avait des liens avec des chercheurs américaines qui travaillaient aussi sur les questions d'adoption internationale. On s'est vus, c'est Chantal et Claudia qui avaient organisé un atelier au Tripoli Meeting à San Francisco, auquel on était allé, où on avait rencontré plusieurs collègues qu'on a revus après à Copenhague, à Barcelone. Et le dernier événement auquel moi j'ai participé avec ce réseau-là, c'est un colloque qu'on avait organisé, Chantal et moi, quand le Tripoli est venu à Montréal.
Et maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs plus jeunes anthropologues qui travaillent sur ces questions-là, et c'est un champ de recherche qui commence à se développer dans plusieurs directions. Il y a beaucoup plus maintenant de travaux qui ont été faits sur le point de vue des pays donneurs d'enfants dans l'adoption internationale. Mais ceci dit, moi, mon rapport avec toutes ces personnes-là, ça m'a ramené vers l'anthropologie de la parenté de façon plus classique peut-être, ou enfin plus stricte, parce que le milieu dans lequel je baigne, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que je travaillais à l'IQRC, mais en 1994, l'IQRC a été intégré à l'Institut national de recherche scientifique. L'IQRC, c'était un organisme qui existait par une loi de l'Assemblée nationale. Par une autre loi de l'Assemblée nationale, ils ont décidé de défaire l'IQRC et de l'intégrer à l'INRS, qui est une université de deuxième et troisième cycle, mais dont le mandat est aussi la recherche au Québec, le développement de la recherche sur le Québec. C'était d'abord INRS Culture et Société, qui a été fondu à l'INRS Urbanisation, qui est devenu INRS Urbanisation Culture et Société. Donc, moi, ma trajectoire professionnelle a été assez a dû s'ajuster à des changements institutionnels qui ont mené vers toujours plus d'interdisciplinarité, je dirais, et qui ont forcément provoqué une certaine distance par rapport à l'anthropologie académique. Mais ce réseau-là d'anthropologues de la parenté a pour moi été comme une espèce de réseau de référence, de lieu de formation personnelle. Sans ces femmes-là, je suis pas sûre que j'aurais persisté aussi bien que je l'ai fait, je pense, là, dans le travail sur la filiation, la parenté. Avec Agnès Finn, j'ai fait plusieurs choses vraiment stimulantes parce que c'est une femme très entrepreneur qui a eu des équipes de recherche auxquelles j'ai été associée sur les questions de filiation. Mais entre autres, elle a eu une équipe de recherche sur l'état civil et la nomination. Et moi, j'avais, en fin des années 2000, eu un petit contrat du ministère de l'Immigration que j'avais réalisé avec une anthropologue qui s'appelle Josiane Le Gall. Le ministère de l'Immigration voulait un avis sur le problème d'intégration, sur le problème de comment on inscrit à l'état civil les gens qui ont des noms étrangers. Entre autres, il y avait eu le cas d'un enfant appelé Thomas, d'origine portugaise, avec l'accent sur le A. Et là, il y avait une question, est-ce qu'on doit transcrire les accents de langue étrangère ou ne pas les transcrire? Donc, avec Josiane Le Gall, on avait fait une recension des écrits sur le nom, l'inscription du nom à l'état civil, l'importance des noms, des changements de nom, l'immigration. Ça avait amené à comprendre vraiment la problématique de la nomination en cas d'immigration, mais aussi la problématique de l'écriture des noms. Et Agnès avait lu ce rapport-là, elle s'intéressait aussi à ces questions-là. Et on a édité un ouvrage collectif sur le nom tel qu'il se pose aujourd'hui, entre autres à travers des questions d'immigration, mais aussi à travers le changement du nom des femmes au mariage. Il y avait en France une nouvelle loi là, qui allait permettre aux femmes, mais leur demander aux femmes de garder leur nom de fille au mariage. Ici, au Québec, depuis 1980, il y avait la loi qui exigeait qu'on conserve nos noms de filles. Puis il y avait des travaux qui avaient été faits là-dessus. Donc, Agnès avait des étudiantes qui travaillaient dans différents pays. Moi, j'avais Rose Dufour qui avait travaillé sur les enfants du Plessis, avec qui on avait demandé un article. Josiane Le Gall, avec qui j'avais fait la recherche sur les noms, qui maintenant travaillait sur les mariages mixtes, donc qui avait des données sur les enfants de mariages mixtes. Une collègue qui travaillait sur le nom des enfants à la naissance. Donc, on avait
regrouper les gens qu'on connaissait en France et au Québec qui travaillaient sur les questions de nom. Suite à ça, moi, ça m'a amenée à travailler. Je l'avais déjà fait, mais j'ai travaillé un peu sur les noms dans la situation d'adoption internationale. Mais après, j'ai vraiment pris à bras-le-corps là, la question de l'état civil, du nom, puis de l'adoption. J'ai fait un article pour un collectif que Agnès a fait sur l'état civil, puis je l'ai centré sur l'identité des enfants adoptés à l'étranger, mais l'identité qui leur est donnée par la loi et par les certificats de naissance. Puis j'ai fait un autre article pour Enfance, Famille, Génération, où là, j'ai pris des données sur la manière dont l'État organise le transfert des enfants et le transfert des documents qui concernent les enfants dans les cas d'adoption internationale, des données sur ce que les adoptés adultes disent de leur situation subjective par rapport au fait qu'ils ont des documents d'origine qui donnent certaines informations sur qui ils sont, avec une vie qui leur donne un sentiment de soi différent et des documents qui leur donnent d'adoption qui disent encore autre chose, et des administrations publiques qui souvent les questionnent sur le fait qu'ils sont nés à l'étranger et du fait qu'ils sont nés à l'étranger, ça amène toujours des questionnements supplémentaires à ce que leur frère ou leur sœur a comme questionnement quand c'est le frère ou la sœur qui est né au Québec. Et à travers cette question de la nomination, moi, ça m'a amené beaucoup, beaucoup à la question de l'état civil. Donc, à revenir à des enjeux juridiques et que je retrouve avec la recherche que je fais avec Carmen Lavallée sur les dossiers d'adoption. Mais ça m'a amené aussi à discuter des questions de transmission. Parce que, puis là, j'ai fait un collectif avec une collègue, là, Myriam Jézéquel, qui est philosophe, elle, qui s'intéressait aux questions de transmission, puis on a fait un ouvrage plus grand public sur la transmission, dans lequel j'ai fait un article sur le nom et la transmission, centré sur le fait que maintenant, à la deuxième... En 1980, on a obtenu la possibilité de transmettre le nom de la mère à l'enfant. Le nom de la mère, le nom du père, ou les deux ensemble. Mais qu'arrive-t-il à la deuxième génération? Quand un enfant a reçu un double nom, il doit décider, quand il a lui-même des enfants, est-ce qu'il transmet un seul de ces deux noms ou ne le transmet pas du tout parce qu'il laisse son conjoint transmettre? Et quels sont les choix que fait la deuxième génération? Parce qu'on ne peut pas transmettre quatre segments de noms, on peut en transmettre seulement deux. Et si les deux ont un double nom, c'est impossible, mais bon. Et ceux qui ont un double nom, est-ce qu'ils essaient de transmettre un nom simple ou veulent transmettre un double nom à leurs enfants? Donc, il y a toutes sortes de questions qui se posent par rapport à la transmission. Donc, il y avait des préoccupations de transmission au moment où on a dit les mères pourront enfin transmettre leur nom à leurs enfants. Mais l'enjeu se transforme, rendu à la deuxième génération. Ce n'est plus de permettre aux femmes de transmettre le nom à leurs enfants. L'enjeu, c'est qu'est-ce que les enfants choisiront de retransmettre à leurs propres enfants et comment se situe-t-il par rapport au nom qu'on leur a demandé de porter eux-mêmes. Alors là, c'est intéressant de voir les résultats de recherche autour de ça parce qu'il y a différents points de vue qui se posent. Là, il y a une collègue à l'INRS qui a repris ce thème-là du nom et avec Denise Lemieux et un démographe qui était à l'Institut de la statistique qui avait pendant des années analysé les statistiques sur le nom pour l'ISQ. On a fait un travail là-dessus, puis Laurence Charton poursuit ça maintenant. Je sais que Laurence travaille, entre autres, là, sur... les couples gays et lesbiens, comment ils nomment leurs enfants. Parce que là, c'est encore d'autres questionnements. Si on est deux femmes qui doivent choisir comment on va nommer notre enfant, c'est pas un enjeu du genre. Qu'est-ce qui devient important dans la décision?
C'est des situations où avant, on ne décidait pas. C'était la tradition ou la loi qui imposait comment se transmettrait l'identité civile. Maintenant, il y a une marge de choix qui intervient, mais à travers les arguments que les gens utilisent pour justifier leur choix, se véhicule toutes sortes de représentations de ce que c'est un lien familial, de ce que c'est le féminin, le masculin, de ce qu'est un enfant. Et encore là, les questions de parenté reviennent en force. Là, on les écoute parler, il y a une part d'enjeux centrés sur soi-même comme individu et le lien à son enfant, comme si c'était un lien duel parent-enfant. Mais une grande, grande, grande partie des réflexions que les gens font référence à la famille élargie, aux grands-parents, à des souvenirs d'enfance, à des souhaits de transmettre des choses qui viennent d'autres membres de la famille. Ça se révèle comme un des lieux à travers lesquels on peut regarder aussi comment se joue la parenté aujourd'hui, de façon très discrète, très feutrée, presque invisible, mais finalement quand même très importante si on prend le temps de le regarder plus en détail. Qu'est-ce qui serait intéressant de dire aussi par rapport à, aux questions de famille et d'intergénérationnel? J'ai parlé de la pluriparenté, des solidarités, une belle parenté occidentale. Je pense que j'ai fait le tour pas mal. Il y a toutes sortes de thèmes, forcément, quand on travaille sur les questions de famille, tout y revient. Ce qui me frappe ces temps-ci, je suis en train d'essayer de faire le lien entre l'histoire juridique de l'adoption au Québec et l'évolution des conceptions de la famille au Québec. Là, ça m'a obligée d'aller lire un peu des historiens pour les années 40, 50, 60. Et je constate qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites dans les derniers 10 ans en histoire du Québec, puis histoire de la protection de l'enfance, l'histoire de la famille, même l'histoire politique du Québec, et que il y a une... Ça serait souhaitable qu'il se fasse un peu plus de travaux, je pense, sur l'histoire du Québec depuis les années 60, là, parce que souvent dans les textes, on voit des idées se répéter, comme si ça allait de soi, tout le monde était d'accord, mais je tombe parfois sur des textes d'historiens récents où là, ça nuance l'idée quand même, puis je me dis, oups, je suis à jour, et sommes-nous... ça avance, ça progresse, ces recherches-là, et on ne peut pas se considéré comme sachant et capable de continuer maintenant vers l'avant. C'est des connaissances à remettre à jour constamment.